Petite vidéo du tirage de Bozem. Si vous avez écouté le rendez-vous 4 consacré à cette anacarte qui nous parle de l'enfant intérieur, c'est celle que nous allons colorier pendant ces 15 jours à venir et qui va nous apprendre non seulement qui est notre enfant intérieur, mais aussi ce que nous avons à apprendre de lui en situation actuelle, dans l'ici et maintenant. Alors aujourd'hui, je vous invite évidemment à aller voir la chronique consacrée à Bozem, l'enfant intérieur, que j'ai enregistrée également ce matin, lundi 23 janvier. Je rappelle que nous sommes le premier jour de l'année du lapin et que tout est à commencer. Donc, laissez-vous être comme un enfant. Faites votre méditation que je vous ai indiquée ce matin de l'enfant intérieur. Allez regarder dans quelle relation vous êtes avec votre enfant intérieur. La question de Bozem, c'est quel est le lieu béni où j'aurais pu naître exactement moi-même dans l'anaconte du voyage symbolique que je suis en train de réaliser. Ça, je vous l'ai montré. Alors, nous avons déjà colorié peut-être blanc, mais ça, nous avons toute l'année. Astor, ça, c'était la première semaine. Et voici maintenant Bozem, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Pour vous aider à la colorier, je vous donne quelques pistes. La première, elle est dans ce petit jeu qui va nous donner, on va dire, une injonction. La déclaration. Écrivez-le. Manifestez-vous, demandez à vos guides et à vos anges de vous aider car le temps est venu de vous déclarer, vous exprimer, vous révéler. Voilà le conseil associé à Bozem. Ça c'est vraiment magnifique, ça parle tout à fait. Et je vois qu'une carte a sauté, elle est associée à la sagesse. Donc je vais utiliser ces deux cartes puisque le jeu m'a demandé deux cartes. La sagesse, vous avez la réponse à tous vos questionnements au travers de ce que vous vivez au présent. C'est l'heure du bilan, une attitude réfléchie et suggérée. Et vous voyez comme c'est intéressant puisque cette sagesse, elle est reliée dans le tarot à la papesse. La papesse, deuxième carte du tarot, est reliée à Bozem. Parce que Bozem détient les annales akashiques de la connaissance. Donc reliez-vous à cette connaissance instinctive, non réfléchie, que votre enfant intérieur peut vous donner dans le moment présent. Maintenant, j'ai plus que 15 secondes pour vous dire. Votre enfant intérieur est votre messager. C'est lui qui va vous donner toutes les indications. Vous voyez comme ça confirme. Hop là, qu'est-ce que j'ai tiré là? Il est temps ici de dire adieu aux blessures, de goûter les saveurs du moment présent avec certitude. Bozem vous dit ici aussi, faites confiance au message de votre enfant intérieur. C'est comme ça que vous allez aller le plus vers vous-même. Et la dernière carte reliée à Bozem, il y en a plus hein, aujourd'hui. Là, voilà. Regardez, je vous ai dit la certitude, ici faites confiance. Voilà le message de Bozem et je vous donne rendez-vous ce soir, évidemment, pour vous parler un petit peu plus de lui si vous avez des questions en direct sur le Zoom.